Allez, bonsoir les loulous, c'est tonton Tommy qu'on retourne dans la maison de l'horreur sur Resident Evil 7. Et donc, en m'attendant ma petite vidéo, je me suis aperçu d'un truc, c'est que voilà, je me suis agrandi le champ de vision. Ils disent que ça limite les effets de gerbe et tout. Mais moi, j'ai envie de voir un maximum, quoi. Comme ça, en plus, le petit halo rouge, du coup, il est peut-être un peu plus éparse. Enfin bon. Du coup, je voulais aller voir où est-ce qu'il fallait que j'aille. Parce que j'ai le tournevis et je me souviens qu'il y avait un petit meuble qu'on pouvait bétonner avec ça. Bon, apparemment, ça va péter juste après, hein. Ils disent qu'il est fragile, mais je pense qu'on n'en aura plus besoin. Et donc, on avait aussi notre espèce de statuette de corps de cheval à mettre dans l'orifice là-bas. Bon, alors, le petit meuble, par contre, il faut que je le retrouve. Je sais plus où est-ce qu'il est, le petit meuble. Voilà. Ah si, je crois bien que c'est là, disons. Pile poil. Ouais, c'est ça. Tournevis. Ouais. Yes. Ouh, remède. Ça, c'est bon, ça. Qu'est-ce que je fais? On peut pas avoir... je sais plus où est-ce qu'on voit notre énergie. Parce qu'ils nous disent qu'on a un espèce de codex à la patte. Moi, je veux bien, mais... Alors, rejoindre le hall principal, on est d'accord, hein, c'est tout à droite. Hein, tchink, 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 le hall principal, il est là. On s'est pété le garage, on en a chié comme je sais pas quoi pour buter le gars. Et donc, ben du coup, on va faire le tour. On va pas zioter ce qu'on a. Alors, on a ce que 5 bullets. Par contre, je suis dégoûté. Un liquide pouvant être combiné. Ah, bah si, on le voit, notre énergie. Oh, on est dans le rouge, mes cocos, hein. Bon, on va l'utiliser. Tac. Voilà. Il y a notre petite mimine qui se porte bien. Ils nous l'ont réparé, je vois pas pourquoi, c'est ça le délire, quoi. Ils voulaient m'engraisser pour me bouffer, mais bon, pourquoi est-ce qu'ils m'ont recollé une main? Tac, tac, tac. Donc du coup, ouais, c'est au fond, quoi. On reste quand même bien méfiant. Parce que la dernière fois, on croyait que la fifille, ça se passait bien, qu'on l'avait latée, mais elle était revenue. Deux fois. C'est le vent, c'est le vent. C'est bien connu, c'est le vent. Itition. C'est pas le même gun qu'on avait tout à l'heure. Hein. Parce que lui, il a un meilleur réservoir de balles. C'est cool. Personne, c'est bon. Parce que la sortie, c'est là. Ah, attends 2 secondes. J'avais oublié un truc. Hop, 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 hop. Le médaillon dans la pendule. Oh! Ça aussi, j'avais oublié. Ça, c'est cool. Attends, est-ce qu'on pourrait pas combiner, parce que je regardais la vidéo, est-ce que ça pourrait pas être combiné avec le... Avec ça. Bah si, ça fait carrément remède de premier soin. Oh! Cool. Et en plus, ça fait de la place. Bien, bien, bien. Remède chimique, ouais, c'est tout nouveau dans la série, hein. Ça, je connaissais pas. J'ai peut-être pas vu ça. Alors, Nico bricolage, une scie, une corde, un collier de chien. Il y a des clips. Wow. Ah, il y a encore des chiens. La pendule. Clac. Impossible d'utiliser ça ici. Mais donc, du coup, on sait pas ce qu'il faut foutre là-dedans. Bon, bah, ça m'étonnerait vu que c'est de l'autre côté. Bon, bah non, bah, c'est tout ce qu'il y a. Je suis encore dans le rouge, hein. J'ai l'impression. On voit pas notre mimine. Comment j'ai fait pour voir ma mimine tout à l'heure? Ah, si, ouais, je suppose que. Voilà, c'est triangle. Aussi, on est dans le vert. Je sais pas, j'ai l'impression de voir encore autour de mes yeux un petit réticule rouge. C'est moi qui tripe. Bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'on peut se permettre de fouiller un petit peu vu que l'autre gars il s'est barré. Tiens, 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 tiens. Oh, oh. Ouais, que j'ai bien fait. Des bullettes. Yes. Hop là! 10 sur 10. Hein.
Bon bah là, là, tout à l'heure, il y a tout pété. Quoique j'ai pas regardé dans le meuble là. Non, rien. Ah, qui est ma pilule? Eh bon, on peut se barrer dans le hall principal. On va sauvegarder, après tout. C'est juste là. Est-ce qu'on pourrait pas mettre quelque chose du coup dans le coffre? Bon, on a encore trois emplacements, c'est correct. Non, on va rester comme ça. Hop là. Merci de patienter. Check. Écrasé. Oui, sans pitié. Écrase, s'il te plaît. Alors. Attention, hein. Attention, hein. Pas me toucher, hein. Tiens. Nya. Ah, c'est marrant, ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Plop, 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 plop. Alors, ouais, tout à l'heure il n'y avait personne, il n'y a aucune raison pour qu'il nous ait mis quelqu'un. Ouais, tout ça, on avait vu, on avait vérifié. Allez, on a trouvé le machin. Ah, c'est classe. Je vois rien. Ah, c'est trop trop chouette. Tiens, encore lui. Je sais pas ce qu'ils sont tapés comme délire avec ce bonhomme là. Ça fait la deuxième fois qu'on le voit. Qu'est-ce que je fais? Je m'équipe avec le gun ou quoi? Il me stresse trop, allez. On passe au flingue. Un petit toast, des chips. Une plante. Oh yeah. Tire-moi dessus, tire-moi dessus. Je vais pas dépenser une bullet pour ça. Montagnard clé, 7 juillet 1991. Rien. Petit placard. Je me pousse, on sait jamais. Ah. Je mets un truc. Ok. Une pièce antique, c'est la deuxième. Et des trucs à choper. Oh, encore elle. Chut, tu vas arrêter, oui. Mon père t'a donné du fil à retordre? C'est ton père? Ah ouais, d'accord. Il l'a été. Je suis désolé, mais... il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, et tu dois sortir d'ici. Ok. Ouais, ouais. Je te rappellerai. Je veux bien sortir d'ici, même si je pense que dehors, ça va être aussi flippant. C'est pour ça que... Arrête au-dessus, hein. Plaisantez pas. Ouais, là. Encore une pendule. Je m'en doutais. On va choper, il faut revenir en arrière pour le foutre sur l'autre. Alors, plus de 20 disparus en 2 ans. Quand même. Le capitaine Howell de la police d'État a annoncé à la presse le début des recherches pour tenter de retrouver Helen Metcalfe, une étudiante originaire de Caroline du Nord en voyage en Louisiane. La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 21. Les cas de disparition en Louisiane du Sud ont augmenté de manière significative au cours des 2 dernières années. On compte aujourd'hui au moins 20 personnes disparues, dont la plupart sont des touristes ou des personnes errantes. La police qui privilégie la piste criminelle et soupçonne un lien entre les différents incidents compte intensifier les enquêtes de voisinage et déployer un plus grand nombre d'effectifs dans la région. D'où le flic de tout à l'heure, mais bon, il n'a pas fait long feu le pauvre. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ouh. Ah bah ça, faudra mettre quelque chose là-dessus. Pour l'instant, je ne vois pas. Ça, c'est quoi? Pardon. Une poudre pouvant être mise dans des cartouches. Combinez-la avec du fluide chimique pour créer des munitions de pistolet. Ah, c'est bonheur, ça.
Faut juste trouver le fluide chimique. Il est bien pratique ce fluide chimique. Bon bah alors là, de toute façon, là on voit rien pour l'instant. Sky Hunter. Chasseur. Ah pardon, j'ai pas eu le temps. Il représente un chien qui regarde en l'air et aboie. Je voyais rien avec le gun. Quelque chose, non. Elle est dure. Faut que je grimpe. Parce que là, en l'occurrence, c'est vrai que je pourrais revenir en arrière. Ah non, ça c'est pas en arrière, c'est encore un autre truc. Watch. Le fusil, mais c'est un piège. Bordel de merde. Ouais, donc il faut que je le recolle. Parce que là, j'ai rien pour échanger. C'est un petit clin d'œil aussi à un Resident Evil, ça. Hein. Allez. Retourne à ta place. Ah ouais. Je vois le délire. Bon, alors, il y a l'étage. Mais pour l'instant, on va aller voir la pendule là-bas. On pourrait s'équiper parce que on ne sait jamais. J'entends des bruits là. Non, ça va. J'étais pas plus rassuré. Et alors la pendule là, évident. Tac. Tac tac. Hop là, tu te calmes. Oh, ben voilà, très important, tête de chien blanche. Haha. Parfait. Ok, mais reste zen. Te laisse pas surprendre. Je sais pas, c'est trop calme depuis trop longtemps là. Faut dire que j'ai zigouillé l'autre, hein, on est d'accord, mais bon. Qu'est-ce qu'on se refait? Bon, je me refais une sauvegarde. Tant pis, je me fais une fiotte, mais... Ça, c'est par expérience. Voilà. Alors, toujours la même, on écrase. Oui. Allez, vas-y, va. Tutto va bene. Je flippe, mais là y'a rien, c'est bon, tout va bien. Je sais pas trop, il faut la coller par contre cette tête de chien. Pour le moment. Alors, il y a une porte à l'étage, il y a un placard, et une autre porte par ici. Bon, attends, tiroir. Photo. Bonjour madame, mademoiselle, je ne sais point. Evelyne. C'est fermé. J'ai rien, j'ai pas de clé. Bah dis donc. Pourtant, ça avait l'air d'être une petite famille sympa, hein, je comprends pas. Je sais pas ce qui vous est arrivé. Mais à mon avis, vous avez juste un... Putain, qu'est-ce qu'il fout là, la mamie? Déjà, comment elle est montée là? Elle est encore en vie, hein. Moi, la dernière fois, je croyais qu'elle était décédée et qu'il l'avait mise à plat comme ça pour compagnie. Personne. C'est peut-être le hobby. Tac, tac, tac. Ok.
ma porte qui s'est refermée là? Ouais. Ah, toujours le même endroit, donc à mon avis, voilà. La porte au serpent. On pourra en ouvrir deux une fois qu'on aura trouvé la bonne clé. C'est quoi ça au fond? Une télé. Et il est encore là, lui. Et 2-3. Marguerite, viens du hall, ce connard d'hippie qu'on a attrapé et foulé dans la zone de traitement. Ah, vous êtes cash quand même. Hop là. Oh, oh, oh. Ah, mais carrément, quoi. Oh, ah, je suis obligé de me reculer. C'est un truc de fou. Ok. Quelque chose dans le panier, non? Rien. Des fléchettes. On va se mettre le couteau parce que c'est vrai que c'est un peu chiant finalement le réticule tout le temps. Alors. Quoi? Qu'est-ce qu'il y avait là? Mia, une cassette. Oh! On va pouvoir savoir un peu pourquoi elle est devenue complètement folle. D'octobre, on dit qu'une tempête approche. J'ai beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qui a eu lieu il y a quelques années. Je crois qu'il est temps de renforcer les fenêtres et de consolider le toit. Ah bah, vous avez pas fait les choses à moitié. Je vais peut-être demander à Lucas de m'aider. L'eau s'est enfin retirée. La maison n'a rien, mais la vieille maison est sacrément endommagée. Lucas nous rabat les oreilles à propos d'un énorme navire qui se serait échoué dans le bayou. Si c'est vrai, je ferais mieux d'en avertir la paroisse. J'irai voir ça demain. La paroisse. Parce qu'ils vont à l'église en plus. Ouais, ouais, ouais. Oh, tête de chien bleu. Et ça fait deux têtes, s'il vous plaît. Deux. J'espère que je vais pas commencer à avoir des problèmes de... Ben voilà, j'ai plus du tout de place. Exactement ce à quoi je pensais. C'est quoi ça? Ah, il y a tête de chien blanche. Tête de chien bleu. Et de l'herbe. Et la poudre. Ah mais pour le combiner avec du fluide chimique, ça va être zombie ça. Ah peut-être que la cassette, on peut s'en débarrasser. Attends, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Poudre à canon, ça fait deux. Ben ça, ça va. Ça rentre. Bon bah allez, on va mettre la cassette comme ça, ce sera fait. Tac. Une bonne vieille VHS. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Turn please watches. Eh ben je suis dessus. Il se passe rien. Alors c'est 19 juillet 2017. Allô? Ah ouais, c'est un temps de chargement de ouf quand même. Alors ils vont nous emmener où là? Alors du coup, est-ce que ça reste en 2D? Parce que je vous avouerai que là c'est tout juste en 2D. C'est tout plat. C'est géant. Parce que c'est avec le casque, mais c'est tout plat. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà! Nous étions très inquiets, jeune fille. Oh, c'est moi qui joue. Oh. Attrapé à nouveau. Putain, faut que je me barre. Oh, c'est juste dégueulasse. Ah! C'est quoi votre délire là? De poupée immonde. Ah, c'est trop fort. Du coup, le décor, là, ça change radicalement. On est toujours dans le bayou, mais... Oh là, puis derrière. Allez, casse-toi, 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 casse-toi. Faut que je me tire, mais je me tire. Ouh. Par ici, maman.
Oh, j'aime pas ça. Je suis pas ta mère. Ils m'ont gardé en vie pour que je sois la mère de la gosse, là. Ça va te délire. Oh putain. Oh putain. Je suis obligé de revenir en arrière. Qu'est-ce que je fais? Non, il y a une porte. Ah! Pourquoi ça s'est éteint? Pourquoi ça s'est éteint? Putain, j'aime pas ça. Oh là là là, ça pue, ça pue, ça pue. Ah, je suis vraiment lasse et fatiguée de ton petit manège, jeune fille. Merde, merde, merde. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Pourquoi est-ce que tu fais subir tout ça? Putain. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Tire-toi, tire-toi, tire-toi. Je ne te comprends pas du tout. C'est un don. Il manquait plus que la mer, bordel. On s'est passé. Cette maison a vu plus que tu peux imaginer. Et ici. Je peux rester dans l'ombre comme ça là ou quoi? Putain. Qu'est-ce que je fais? Je sais que vous complotez avec Zoé. Je sais que vous mijotez quelque chose. Non, non. Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan? Je pense que je suis pas du bon côté. J'aurais dû aller derrière la porte là-bas. Ça pue. Ah, je le sens pas. Ne bouge pas! Oh putain! Ah la vache! Retourne dans ta chambre immédiatement! C'est foiré ça, hein. Ah, j'ai raté, j'ai raté. Ah! Je m'en doutais. Fallait que j'aille de l'autre côté. Putain! Chercher les éléments du décor pour éviter Marguerite. Oui, ben, j'ai quand même jamais compris. Elles plus seront. Ah, ça, par contre, c'est bon à savoir. Un demi-tour rapide. Ok. Oh, ça va. On va passer le truc. Cette maison a vu plus que tu ne peux imaginer. Et tu ne comprends pas. Hop là. À mon avis, là, on est bien. Je sais que vous complotez avec Zoé. Je sais que vous mijotez quelque chose. Mais pas du tout, tu te calmes. Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan? Quand t'es sans, elle s'arrête juste au niveau de la porte et fait quoi? Elle revient, il faudrait que je passe dans son dos, je pense. Pour aller où? Non, ah, il y a un truc à choper, merde. Ne viens pas par ici. J'avais pas vu. Elle va sortir. C'est juste un lance-sol, mais je peux rien faire. Huh?
on se barre. Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Mais quand même. Putain. Nous t'ouvrons notre maison. Nous t'ouvrons nos cœurs. Quoi, peut-être ouvrir une des portes, je sais pas. Et toi, que fais-tu? Bah moi je me planque. Ne t'en déplaise. C'était sûr. Du coup, maintenant, c'est ouvert ou quoi? Putain, non, toujours pas. Alors, j'ai raté un truc. Merde. Qu'est-ce que j'ai raté? Parce qu'on a un lance-lame, on pourrait lui cramer la tronche. Allons la porte. Qu'est-ce que j'ai raté, bordel? Ah bah ça, tout simplement. Ah attends, faut carrément que je fasse la forme. Oh les enfoirés. Comme ça peut-être. Oh, c'est chaud. C'est chaud votre connerie. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Encore. C'est pour faire une araignée, quoi. D'accord, alors le corps, attends. Je crois avoir pigé. Ce serait plutôt comme ça. Ah, ah. Il y a de ça. Oh, vous abusez quand même. Je suis pas loin, là. Quoi ? Ah. Wow, carrément. Oh, trop fort. Trop puissant. Ah, ça par contre aussi, ça va être trop puissant. Oh, cette impression. Oh, je suis carrément coincé. Je me sens oppressé, mais comme jamais. Quelle horreur. Je passe, putain, je suis fine. Enfin, en même temps, vu ce qu'il nous donne à bouffer. Tu m'étonnes que je suis fine. Alors, poum, poum. Elle t'aime. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Putain, elle est encore là. Qu'est-ce que je fais ? Toi, je te tiens. Putain de merde. Et merde. Retourne dans ta chambre immédiatement. Oh, la manette, comment elle a vibré, mais laisse tomber. File dans ta chambre. Comme ça, quoi. Sans pitié. Mais alors du coup, ouais, elle doit arriver direct quand je suis dans la pièce. Qu'est-ce que je fais? Je cours. On va tenter ça. Alors, hop. Ah, ou alors je peux me planquer derrière les caisses, ouais. Elle t'aime. Voilà, c'est ça. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. On va se cacher. Toi. Quoi, moi? Tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don. T'arrives par où? Par là? De l'autre côté. Je me demande. Qu'est-ce que tu fous? Nous t'aimons! Ouvre les yeux! Accepte-nous! Non. Ça ira, merci. C'est pas possible! Tu ne comprends rien! Et tu ne t'en rends même pas compte! Non! N'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité!
sans issue, jeune fille. Oh, la voix qu'elle a, c'est juste immonde. C'est... jeune fille. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là? Hop là. Corps. C'est une pièce de mécanisme. Ah! Où crois-tu aller comme ça? Ethan! Ethan, je t'en prie, aide-moi! Ethan, à l'intérieur! Putain! Ah putain! Ah, comment je me suis... Comment ça m'a secoué encore? Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un temps de chargement, il y a un truc. Bim! Méchante madame. Méchante. Comment veux-tu que j'accepte la famille? T'as vu la gueule, quoi? Ah, désolé, hein, là je fais pas de délit de faciès à ce niveau-là. Là, c'est juste. Non. Non, non, quoi. Ouh! Ah, par contre, les temps de chargement à chaque fois, c'est juste un petit peu long. Juste un petit peu longué. Surtout qu'en plus, je compte, à mon avis, faire une petite pause, là, vite fait. Parce qu'on doit, doit revenir à Ethan, je pense. On vient d'éviter la mégère. Enfin, éviter, c'est beaucoup dire, quoi. On l'a évité un certain temps. Mais donc, du coup, c'était prévu. Hein. Je pouvais pas m'échapper. Ben non, c'était juste pas possible. Un bande de sagouins, là. Mais vous avez vu la gueule qu'il y a, là? C'est juste immonde, quoi. C'est juste immonde. Bon alors, t'accélères ou pas? Oh. Dis-moi donc. Remarque, voilà, ça vous donne une petite idée des transitions. Après, quand vous êtes sur la partie, ça revient cash, quoi. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mia? Je sais pas, mais... Pas que du bien, hein. Pas que du bien. Bon alors, du coup, ça nous fait de l'emplacement, je pense. Ah. Ben, je veux bien la laisser dans le magnéto, hein. Ah, on peut l'acheter. Non, je peux pas l'acheter. Pourquoi je peux pas l'acheter? Yo. Je viens de voir la cassette. Ah, il y a peut-être une suite, alors. Il y a peut-être une suite. C'est peut-être ça. Bon, alors, on va se remettre là-dessus. On va voir un peu tout ce qu'on n'a pas fait. Ouais, ouais, il y a encore beaucoup de choses à voir. Beaucoup de choses à regarder. On va se libérer du casque, vite fait. Pam, pam, pam. Ah, fallait que je mette la télécommande par terre. Allez, puis on va se retrouver tout de suite pour la suite. Tchuss.